Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Brioche. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale car on se trouve pour un premier épisode de City Skyline. Alors, c'est un jeu qui ressemble pas mal à SimCity, mais en mieux. Donc on va tout de suite tester un peu le jeu. Bon alors je l'ai un peu testé avant. Bon alors je précise, pour cette série j'ai un mod qui permet d'enlever des bâtiments abandonnés. Bon on va du coup tout de suite créer une nouvelle partie. Quelle map on pourrait se prendre? Celle-là a l'air pas mal. Allez, on va l'appeler City of YouTube. Voilà, je suis très inspiré. Pas mal de ressources, un peu lieu adapté à la construction. Allez hop, on démarre tout de suite. Alors on commence sur cette plateforme, ouais ça va, c'est une plutôt bonne plateforme. Alors juste un truc que je déteste avec les routes, c'est que c'est des routes comme ça, genre à double sens, et moi je suis pas fan. Donc on va tout de suite créer un petit rond-point, ou prendre directement on peut prendre directement un rond-point comme ça. La musique fait flipper. Hop, on va créer notre propre rond-point. Enfin, on va essayer de faire un truc à peu près beau. Ouais bon, ça passe. Il y a mieux, mais il y a pire. Bon, je vais vous faire une ellipse, le temps de construire un peu les bases de City Skyline. Et je vous reprends tout de suite. Et voilà, donc voilà, j'ai fait un peu quelques endroits pour pouvoir mettre des habitations, etc. Alors bon, je sais que niveau circulation, je pense que ça sera assez chaotique, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va mettre des maisons ici, donc voilà, sur les côtés, hop. Et au milieu, on met des magasins. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on va relier la ville avec ce qu'il faut, genre eau et tout et tout. On va peut-être pas pomper l'eau comme ça tout de suite, on va je pense mettre un petit château d'eau. Ouais là je pense que c'est pas mal. Et on va faire toute la ville. On va mettre... Oh, oh ici il y a pas mal de courant. Bah ici on va mettre les eaux usées qu'on va tout de suite relier à la ville. Et maintenant il va falloir faire de l'électricité. Alors je sais pas trop où on va faire l'électricité. Je pense que... Ici on est à 7, ah là on a 8. Bon là on est à 7, je pense que ici c'est pas mal. On avait un point à 8. Alors, on va la mettre là, on relie la ville, on relie ça et on relie ça. Bon oui, clairement c'est barbare niveau ligne électrique, mais ça fera clairement le taf. Bon alors que maintenant on a à peu près tout ce qu'il faut, hein. On va attendre de farmer je pense. Ouais. Bon je vais faire des petites ellipses le temps que tout se passe. A tout de suite. Ah, j'avais oublié un petit détail, c'est que bien évidemment, faut mettre des zones commerciales, enfin des zones industrielles pour que ça se développe. J'avais oublié ce petit détail. Donc, on va tout de suite le faire. On va faire ça de manière assez spéciale pour éviter les embouteillages. Ah, j'avais pas vu, on est un peu dans le caca là. On va devoir diminuer le budget de l'eau et de l'électricité pour pouvoir être dans le positif. Toujours à peu près assez d'énergie et assez d'eau.
Bon, alors je crois qu'on a un petit problème, c'est-à-dire que j'ai pas mis de zone commerciale et je peux pas faire de route. Donc on va devoir virer ces maisons temporairement pour mettre des zones commerciales. Tac, ouais, qui devrait leur faire plaisir. Même si ça restera pas. Quoique je me dis, en fait, ça peut rester, hein. J'ai une idée, je vais réaménager un peu la route. Ah. Je crois que j'ai fait un peu une connerie là, non? Si, j'ai clairement fait une connerie. Ok, c'est bon, on est en positif. Bon, après, je pense ce début assez chaotique, je pense qu'on va enfin pouvoir avoir quelque chose de plutôt. Enfin, on verra bien. En tout cas, j'espère que grâce à ça, on va pouvoir regagner de l'argent. Non, ça rebaisse, le budget rebaisse. Ah, faut que je mette plus d'électricité. Faut que je mette plus de budget à l'électricité. Voilà, c'est bon, j'ai mis plus de budget à l'électricité. Maintenant, on va pouvoir réalimenter tout en électricité. Oh, nickel, on a eu de l'argent. On va vite. Hop, relier cette route. Bon, au moins ça c'est fait. Et on va remettre les budgets normaux. Voilà. Bon, alors maintenant, bon, on attend qu'il y a un truc à peu près. En vrai, ouais, je vais les laisser de ce côté là, les habitations. Enfin, les trucs comme ça là. J'ai pas le nom. Les zones industrielles, voilà, on va les laisser là. Elles sont bien en vrai. Et on mettra des zones d'habitants ici. Et zones commerciales ici. Alors, je sais, je prévois pas mal de zones. Mais voilà, en attendant, comme ça pourra se développer. On a maintenant quelques petites maisons. Alors. Mais il n'y a toujours pas d'électricité, du coup, c'est un peu chiant. Tac. Ah, on est en manque d'électricité aussi. Là, on produit 7 d'énergie. Mais j'ai. Je me demande un truc. Si on met les budgets à fond, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que l'éolienne produit un max? 10 de puissance. Ouais, elle produit pas mal plus en tout cas. Et bon, on va quand même refaire une éolienne juste ici. Qui elle produit 10 mégawatts aussi. C'est plutôt cool. Pour l'instant, on a assez. Ah, je vois les poubelles. Il faut des poubelles. Mettons une petite décharge ici. Je pense que. Sur la rue du Verger, une décharge, c'est parfait. On va aussi peut-être commencer à mettre un peu de santé. On pourrait la mettre là. Ouais, là, c'est plutôt pas mal. Ça couvre pas mal. Oh, joli village, nickel. Ah, ici, ça couvre pas mal de territoire. Ah, bah, du coup, on a les pompiers et tout. Nickel, on va pouvoir mettre les pompiers. Tac. Et la police. Ah, la police, on a passé l'argent. Super. Bon, vu qu'il y a encore plein de place, là, on peut attendre que les habitants s'installent tranquillement. Mais non, on va pas attendre car on va tout de suite commencer une nouvelle zone industrielle. Enfin, une zone habitable. Ah, c'est bon, j'ai mis un peu plus d'habitation. Voilà, donc hop, on a plus d'habitation quand même. Bien sûr, on n'oublie pas de remettre l'eau. Allez, ils ne sont pas contents. Bon, alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais. Oula, c'est un bruit bizarre. Je sais pas si vous avez remarqué, mais. Bon, j'ai. Clairement, je suis pas dans mon meilleur état. Disons que j'ai chopé une otite. Bon, autre que ça. Et que du coup, je suis enrhumé aussi. Donc, désolé si ma voix n'est pas pareille. Mais bon, bah. Oula. Ok. Petite agglomération. Super. Donc, voilà. Désolé si la voix n'est pas pareille. Oui. C'est vrai que ça aurait pu être mieux. Ah, toujours pas. On peut remettre une troisième éolienne ici. Par contre, après, je peux jouer mettre mes éoliennes.
qui est disponibilité en eau, ça commence à baisser. On va tout de suite remettre un deuxième puits, histoire de. Et la pollution ici. Ah, on peut enfin faire un poste de police. Voilà. Bon, je pense que pour ce premier épisode, ça sera bon. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Alors, si vous voulez toujours plus d'épisodes de City Skyline ou de choses pour m'améliorer, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et un commentaire. Ou si vous avez quelques petites astuces, n'hésitez pas. Allez, c'était BriocheQ, à plus et à la prochaine. Bye bye les amis.